sur le fait que la Fondation Wahhabite, de création récente, en tant qu'institution libre et indépendante, participe pleinement d'un climat d'effervescence qui anime la société civile au Maroc depuis quelques années et qui est, nous semble-t-il, le résultat du progrès indéniable qu'a accompli le Maroc sur le plan de la démocratisation de la vie publique. Cette dynamique positive à l'œuvre dans notre pays depuis quelques temps, qui voit émerger, se multiplier et se libérer des initiatives individuelles ici et là, est perceptible aussi bien dans le milieu associatif que dans le domaine de la presse écrite à titre d'exemple. Aussi, je voudrais m'arrêter quelques instants pour souligner le rôle éminent qu'ont joué les socialistes marocains dans cette évolution positive. Car n'oublions pas que parmi la classe politique marocaine, seule la gauche en général et l'USFP en particulier ont été les seules forces politiques qui aient véritablement, depuis toujours et de l'intérieur du Maroc, œuvré pour la démocratisation de nos institutions et de notre vie politique. Et c'était là, faut-il le rappeler, une marque de courage évidente il y a de cela quelques années à peine, et nos amis socialistes sont probablement bien placés et savent mieux que quiconque le prix à payer face à un régime qui, il y a peu de temps, faisait peu de cas des libertés publiques dans notre pays. Donc ici, je voudrais leur rendre un hommage appuyé. Tout cela pour dire que si, dans notre pays, l'arbitraire a considérablement reculé depuis quelques années, pour faire probablement du Maroc le pays, disons, le plus libéral du monde arabe, ou au moins le moins autoritaire. Pour autant, nous, la vigilance doit demeurer intacte, comme le vient de souligner dernièrement l'Organisation marocaine des droits de l'homme dans son rapport. Après ce bref aperçu sur le contexte politique dans lequel se déroule cette rencontre, je souhaiterais à présent insister sur le deuxième aspect relatif à l'opportunité de cette rencontre et aux attentes qu'elle suscite de notre point de vue à l'issue, après la conférence de Barcelone. En s'efforçant de réunir aujourd'hui les conditions d'une réflexion collective sur différents domaines d'intérêt commun entre les socialistes marocains et nos amis sociodémocrates allemands, la Fondation Wahhabite espère pouvoir insuffler une nouvelle dynamique au rapport franco-allemand à travers l'instauration d'un dialogue direct entre les deux parties. Un dialogue franc, sincère, permettant dans un premier temps d'affiner la perception et la connaissance que nous avons les uns des autres, pour ensuite favoriser cette compréhension mutuelle qui est elle-même le préalable à un rapprochement éventuel des points de vue sur les différentes questions qui nous intéressent ici. En effet, de même que nous aimerions, à travers l'organisation de ces journées, sensibiliser nos amis allemands aux questions méditerranéennes, au rôle stabilisateur que joue politiquement le Maroc dans la Méditerranée occidentale et aux opportunités qui s'y offrent sur un plan économique et commercial, nous souhaiterions tout autant, dans nos rapports avec l'Union européenne, nous soustraire ou nous dégager quelque peu de l'emprise ou de la référence quasi exclusivement faite au modèle français, dans nos mentalités, dans notre état d'esprit, pour davantage diversifier nos partenaires et nous familiariser un peu plus avec ce qu'on pourrait appeler l'approche allemande des problèmes. Le tout, bien entendu, dans la logique de l'intérêt mutuel bien compris. Mais avant tout, et je terminerai ainsi, avant tout, écoutons-nous les uns les autres pour mieux nous connaître et nous comprendre et afin de tenter de dégager quelques lignes de convergence. Je vous remercie de votre attention et sans plus tarder, donne la parole au représentant de la Fondation Frédéric Schubert.
Damen und Herren, liebe Freunde, es ist mir eine große Ehre, Sie heute hier im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung begrüßen zu dürfen. Insbesondere, mein Zitterer, es ist mir eine große Ehre, wenn Sie heute hier im Namen der... Friedrich-Ebert-Stiftung begrüßen zu dürfen. Insbesondere freue ich mich, dass wir unter uns 5 Abgeordnete des Deutschen Bundestages und einen Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben. Als ehemaliger Vertreter der Ebert-Stiftung in Marokko möchte ich meiner großen Freude zum Ausdruck bringen, dass zahlreiche Vertreter der ÜSFB an dieser Konferenz teilnehmen. Diese Konferenz zum Thema die Beziehungen Marokkos zu Deutschland und Europa, die gemeinsam von der Fondation Bouhabib und der Friedrich-Ebert-Stiftung durchgeführt wird, ist Teil einer Serie von Veranstaltungen, die die Stiftung vor mehreren Jahren initiiert hat, um den politischen Dialog zwischen Europa und Nordafrika zu fördern. Die Konferenz findet wenige Wochen nach der Barcelona-Konferenz der Europäischen Union statt und gibt uns somit die Möglichkeit, die dort beschlossenen Politiken und Entscheidungen in unsere Überlegungen mit einzubeziehen und sie kritisch zu reflektieren. Nachdem zunächst nach dem Fall der Mauer und der Öffnung Osteuropas der Schwerpunkt der politischen Interessen eines Großteils der europäischen Staaten sich in Richtung Osten verlagert hatte, ist nun wieder ins Bewusstsein gerückt, dass der Mittelmeerraum eines der wichtigen Nachbargebiete Europas ist. Die Konferenz von Barcelona ist Ausdruck dieser geänderten Wahrnehmung. Der Mittelmeerraum soll nicht Grenze, sondern Brücke zwischen Europa und dem arabischen Raum darstellen, so wie er es in der Geschichte der Beziehung zwischen diesen beiden Kulturräumen immer wieder gewesen ist. Auch in Deutschland, das traditionsgemäß immer eher Richtung Osten orientiert war, hat man die Bedeutung des arabisch-islamischen Raums erkannt. Dies nicht nur vor dem Hintergrund einer gestiegenen Bedeutung islamischer Gruppen innerhalb Deutschlands und Europas und den Auswirkungen der Krise in Algerien, sondern auch wegen der Bedeutung des arabischen Raumes als direktem Nachbarn Europas. Die Europäische Union hat den neuen Entwicklungen mit ihrer Mittelmeerinitiative Rechnung getragen. Ziel dieser Initiative ist es unter anderem durch die Schaffung einer Freihandelszone, die wirtschaftliche Entwicklung im Maghreb durch den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und Nordafrika, als auch innerhalb der Region der südlichen Anrainerstaaten des Mittelmeerraums zu fördern. Die Friedrich-Ebert-Stiftung möchte diese Mittelmeerinitiative durch eigene Maßnahmen und mit dem ihr eigenen Instrumentarium flankierend begleiten. Durch das Aufgreifen von Themen wie Zivilgesellschaft im arabischen Raum, Förderung von Frauenorganisationen, Vermittlung von Kontakten und Informationen zwischen gesellschaftlichen Gruppen des nordafrikanischen Raums mit ihren entsprechenden Partnerorganisationen in Deutschland und Europa trägt die Stiftung zur Förderung des Dialogs von gesellschaftlichen Gruppen auch unterhalb der Regierungsebene bei. Zusammen mit unseren marokkanischen Partnern haben wir versucht, ein Programm für diese Konferenz zu entwickeln, das die wichtigsten Themenbereiche, die zum Verständnis der jeweiligen Interessen und Positionen wichtig sind, umfasst. Im Zentrum unserer Diskussion der beiden Konferenztage stehen Fragen zur Politik wie die Beziehung Marokkos zu Europa, die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Marokko und Deutschland, die Zukunft der Beziehungen nach Barcelona und wirtschaftliche Fragen wie Annäherung durch Freihandel und die Rolle deutscher Auslandsinvestitionen in Marokko sowie Fragen der sozialen Entwicklung, der Migration und der Umwelt. Ich wünsche dieser Konferenz einen guten Verlauf und hoffe, dass sie zu einem fruchtbaren Gedankenaustausch zwischen Europa und dem Maghreb beiträgt. Besten Dank.
une idée centrale, c'est que le but recherché par l'organisation de ces journées est d'engager véritablement un débat de fond sincère et direct entre les deux parties sur les différents volets qui seront évoqués et passés en revue, le volet politique, le volet économique et le volet social et environnement, et sur la base des communications et des interventions qui seront présentées aussi bien du côté allemand que du côté marocain. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Tahlaou Alalou sur le premier axe du volet politique, intitulé comme cela figure sur votre programme, le Maroc et l'Union Européenne. Merci. Merci, Ali. Donc je vais essayer de traiter les rapports d'une approche politique entre le Maroc et l'Union Européenne à travers, disons, deux approches. Je le répète. D'une part, la première essaye de mettre en relief la spécificité, disons, du Maroc dans ses rapports avec l'Europe en comparaison à d'autres pays du Maghreb ou du monde arabe. Et la seconde, elle est relative à l'image du Maroc en Europe et surtout à travers la différence des points de vue et des approches entre la gauche marocaine et la gauche européenne. S'agissant en premier lieu de la spécificité marocaine globale, disons que c'est une spécificité politique mais aussi une spécificité économique. Je ne vais pas traiter beaucoup l'aspect économique puisqu'il va être traité l'après-midi. Mais en ce qui concerne l'aspect, disons, politique, disons, la nature de l'État marocain, à travers l'histoire, a déterminé les traits caractéristiques des rapports entre le Maroc et l'Europe. Il s'agit d'un État-nation ancien, autour d'une réalité dynastique, ancienne aussi, pluriséculaire, un État qui, à travers les siècles, depuis le 11e, surtout à partir du 14e, était en contact avec l'Europe. Le sultan, c'est-à-dire le roi, a eu toujours l'obligation de défendre le pays face à toute conquête provenant de l'étranger, et notamment de l'Europe. Même la légitimité du pouvoir était lié au degré de sa capacité de défendre le pays. Et il était appelé à défendre l'islam, disons, contre l'Église. Et ce pouvoir a, de ce fait, acquis, disons, un aspect en même temps culturel, mais surtout spirituel. Il faut dire aussi que le Maroc, contrairement à d'autres pays de la région, même de la Méditerranée, a été le seul espace politique qui a échappé à la conquête turc. Il est resté donc isolé de ce fait. Les conséquences au XXe siècle, c'est que la colonisation s'est faite tardivement, contrairement à l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et les autres pays. L'introduction du fait colonial au Maroc a été le fait d'une compétition entre plusieurs puissances européennes au début du siècle, compétition notamment entre l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Angleterre. L'acte d'Al-Jazeera en 1906 incarne cette compétition. La visite de l'empereur Guillaume II à Tanger est un élément important de cette compétition. Et puis, cette pénétration coloniale aussi au Maroc a pris un double aspect. C'est une pénétration, c'est une conquête militaire, économique, classique, mais en même temps, elle s'est faite à travers une négociation politique avec le pouvoir qui a amené le protectorat dans le pays. Le pays donc a été soumis aussi à plusieurs protectorats. Ce protectorat aussi, contrairement à l'Algérie et à d'autres pays, n'a pas été destructeur des structures locales avec leurs caractéristiques politiques, culturelles, sociologiques, culturelles. Donc, c'est le modèle de l'IOT qui a cherché à sauvegarder même ces structures et à créer les fondements d'une cohabitation entre ce qu'on appelle la modernité et la tradition. Et ça,
fait partie, disons, même du Maroc d'aujourd'hui. La décolonisation aussi a eu un double aspect. Il y a eu une lutte pour l'indépendance contre le pouvoir colonial, notamment français, mais aussi une négociation entre le pouvoir historique, c'est-à-dire le sultan, le roi, une négociation qui a été d'ailleurs, qui a renforcé même l'avènement de l'État postcolonial. Une décolonisation de ce fait progressive. Négociation avec l'Espagne, avec la France en 1956, avec l'Espagne, avec pour Tanger les puissances occidentales. En 1958, Tafaya, qui fait partie du Sahara, avec l'Espagne. En 1969, Sidi Ifni, qui fait partie aussi du Sahara avec l'Espagne. Et puis en 1975, autour du Sahara. Ce siècle, le Maroc a eu contact surtout avec deux grandes puissances. La France, une colonisation active, liée à un encadrement administratif, militaire, avec une grande influence, ça a été dit tout à l'heure. L'Espagne, une colonisation plus molle, plus statique, du fait même de la faiblesse des forces productives, disons, espagnoles, puis c'était essentiellement le système franquiste. Et il fallait en fait attendre à l'avènement de l'Espagne démocratique à la fin, au début des années 80, pour qu'il y ait une relance de l'influence espagnole dans notre pays. Mais l'influence quand même espagnole a un caractère sociologique, notamment au nord et en partie au sud. Mais disons, l'élite marocaine a été formée au modèle français, c'est sûr, et là aussi, disons, l'État postcolonial a négocié d'une façon progressive son grand choc aussi, contrairement à l'Algérie, la destruction de la présence, notamment française, au Maroc. La présence économique, la présence institutionnelle, la présence d'assistance technique et d'assistance aussi financière. Et cette négociation a fait que la langue française est restée présente, même dans les structures, scolaires. Il faut quand même remarquer un fait nouveau, qui est de contact avec l'Europe et qui est postcolonial, c'est l'immigration. L'immigration date essentiellement des années 60 et 70. Et cette immigration va toucher l'ensemble de l'Europe. La France, mais aussi le Benelux, l'Allemagne, plus tard l'Italie et l'Espagne. Spécificité économique, que je vais très rapidement, c'est que contrairement à d'autres pays méditerranéens, notamment du monde arabe, le Maroc n'est pas un pays pétrolier. Et ça, c'est un fait important. C'est un fait important. Il est dans une position de faiblesse par rapport à l'Europe sur cette question-là. Et ses rapports avec l'Europe ont évolué à travers plusieurs, disons, filières, notamment agricoles, textiles, immigration, financement public, investissement étranger. Et alors, c'est un élément fondamental qui va être certainement étudié tout à l'heure dans le rapport entre notre pays et l'Europe. Et il faut dire, à partir de là, la politique économique depuis l'indépendance a été déterminée d'une façon fondamentale à travers les liens avec l'Union européenne, la CEE auparavant, et bien sûr, en tenant compte aussi de l'influence du couple Banque mondiale, Fonds monétaire international. Alors à partir de là, il y a un discours qui domine au Maroc. Un discours quelquefois royal, un discours gouvernemental. Le Maroc se veut pro-européen, il se veut europhone, si l'on peut dire. Ces images, le Maroc se considère comme un arbre dont les racines sont africaines, son feuillage respire l'air de l'Europe. Le Maroc se considère comme la locomotive du Maghreb pour l'insertion au sein de l'Europe. Le Maroc est un relais dans le contact entre l'Europe et le monde arabe, le contact entre le monde islamique et le monde européen. Il se permet d'être un intermédiaire, notamment sur des questions comme les questions essentiellement du Moyen-Orient. C'est un pays aussi qui se considère un pays de tolérance, notamment sur le plan religieux. Et le Maroc s'est permis à deux reprises de demander son adhésion
à l'Union, à la CE et à l'Union européenne aujourd'hui. Sur ce plan-là, je voudrais dire très rapidement, autant peut-être dans nos relations avec l'Europe, ces relations sont essentiellement économiques, mais aussi politiques, alors qu'avec les États-Unis, sont des relations essentiellement politiques et non pas économiques. Le deuxième aspect de mon intervention concerne l'image du Maroc en Europe, et en fait la différence de point de vue et d'approche entre les deux gauches. L'image du pays, il s'agit d'un pays conservateur, traditionnel, souvent mal vu par la gauche européenne, qui de ce fait ne comprend pas les dynamismes, ou ne les connaît pas, les dynamismes que connaît le Maroc, sur le plan politique, culturel. Elle ne reconnaît pas nécessairement sa pluralité. Disons, un pays mal compris. Bon, en gros, quand les Marocains parlent de leur rapport, notamment avec le Parlement européen, eh bien, c'est à travers cette image. Une image aussi nourrie par le fait que chez nous, il y a une sorte d'autosatisfaction qui prédomine. Tout le monde dit, bon, ben, il s'agit d'un pays stable, un pays de tolérance, un État fort, qui a réussi ses ajustements financiers, qui est capable de gérer son ouverture avec le reste du monde, qui est capable de marier la modernité et la tradition. Alors à travers là, il y a une certaine contradiction souvent avec nos amis européens, de la gauche européenne, et que je situe à travers, très rapidement, quatre grandes questions. La première question concerne la nature de la gauche marocaine par rapport à la gauche européenne. La gauche européenne est le produit de la contradiction entre le capital et le travail, aussi bien dans sa version marxiste que dans sa version social-démocrate. La gauche marocaine est plutôt le produit, la gauche marocaine à travers même la personnalité de Bouabid, par exemple, est le produit de la contradiction entre impérialisme et nation. Et c'est pour cela qu'en fait, ça a été toujours la gauche du mouvement national, dès les années 50. C'est une gauche qui est être de gauche aujourd'hui, c'est lutter pour la démocratie dans notre pays. Et c'est en même temps tenir compte des pesanteurs de l'histoire qui sont là, et qui tenir compte de la nécessité de renforcer la cohésion du pays, l'unité du pays, pour faire évoluer le système politique. Ça a été dit tout à l'heure par Ali Wabi. Je voudrais ici faire remarquer une chose dans nos rapports avec, depuis 30 ans avec les Européens, avec la gauche européenne, c'est que nous avons toujours considéré, nous avons toujours constaté plutôt que les socialistes européens sont pluralistes, mais ils sont pluralistes surtout chez eux. Ils ont eu toujours un faible durant les années 70 et 60 pour le système du parti unique en Europe. En Afrique, dans le monde arabe. Ils ont toujours considéré que l'évolution politique et économique des pays du tiers-monde implique nécessairement la présence d'un parti unique fort, d'où peut-être, un point de vue favorable par rapport à tout ce qui s'est passé en Angola, en Mozambique, mais surtout en Algérie. Et ils n'ont jamais eu une position critique, contrairement à nous, par rapport à ces systèmes. La gauche européenne aussi a eu tendance à isoler la question des droits de l'homme chez nous, dans notre région, par rapport à la question de développement. Alors que chez nous, nous avons toujours rattaché la lutte pour l'amélioration, de la défense des droits de l'homme. On l'a toujours rattaché, bien sûr, à la nécessité aussi de lutter pour créer les fondements d'un développement durable. Et puis, il y a un autre problème important, c'est que le combat démocratique chez nous n'implique pas nécessairement l'adhésion aux valeurs de la laïcité, telles qu'elles sont conçues, notamment en France. On le constate, mais pas seulement chez nous, même en Algérie. Les compromis, aussi bien qu'ils se font à Alger ou à Rome, sont des compromis avec le fait religieux qu'on le veut. Ça s'impose. Mais pour nous, être de gauche, c'est avoir une attitude aussi de tolérance et d'ouverture par rapport à la question religieuse.
La deuxième question, sur laquelle on n'est pas toujours en accord, concerne la question du développement économique. Alors là, nous, par exemple à l'USFP, on a eu toujours une position critique dans les rapports entre le Maroc et l'Union européenne sur le plan économique. Nous avons toujours considéré que ces rapports ont été statiques depuis les années 60 et ils n'ont pas permis à l'économie marocaine d'évoluer et de créer des points de vente d'une croissance durable dans notre pays. La gauche européenne n'a pas toujours pris une position très claire sur cette question-là, et notamment quand elle est au pouvoir. C'est le cas notamment, par exemple, de la gauche française, quand elle était au pouvoir. Nous avons eu une position critique aussi sur le pass, sur la question de la dette extérieure. Et là aussi, il y a une sorte de silence de la gauche européenne par rapport à la crise de la dette, qui est fondamentale, qui touche beaucoup notre équilibre économique et social. Donc là aussi, bien sûr, il y a eu un progrès. Par exemple, il y a 4 ou 5 ans, avant la mort de la disparition de Brandt, un rapport de l'international socialiste a accordé beaucoup d'importance à ces questions. Mais ce rapport est resté, n'a pas eu de grand effet réel sur les attitudes des gouvernements. On ne peut que se féliciter d'une sorte de prise de conscience autour de l'approche de Barcelone. Troisième question concerne ce que nous appelons l'intégrité territoriale. Alors je constate par exemple que la gauche européenne ne connaît même pas la question du Ceuta et Melilla. Ceuta et Melilla, qui font partie en fait actuellement, c'est l'opinion publique européenne méconnaît cette question. Or, ces deux villes ont été colonisées dès le 15e siècle par les Portugais et par l'Espagne, et c'est un fait colonial qui dure. Mais j'en reviens surtout à la carte du Sahara, et là, effectivement, nous avons des points de vue quelquefois différents. La gauche européenne ne comprend pas. Elle a souvent considéré Wahid quelquefois comme plus royaliste que le roi. Alors dans l'affaire du Sahara, il y a une position que nous considérons comme simpliste chez nos amis européens. Ils considèrent que quoi il s'agit, il y a un peuple sahraoui qui est représenté par le Polisario, qui revendique son indépendance, et qu'au nom des valeurs d'autodétermination, sur ce plan-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gauche européenne n'a pas toujours compris la position de l'USFP. En fait, nous considérons que la gauche européenne est sous-informée ou ne veut pas être informée sur la question. Elle n'a pas tenu compte d'un certain nombre de faits. Premier fait, j'en ai parlé très rapidement, le Maroc a été le seul pays de la région qui a été soumis à plusieurs colonisations. Il a été de ce fait phagocyté. La France, l'Espagne, quand on dit l'Espagne au nord et au sud, et en même temps Tanger qui était soumise à plusieurs puissances européennes. Deuxième idée aussi fondamentale sur laquelle il y a eu des controverses, la notion du peuple sahraoui elle-même, pour nous, elle n'a aucun sens. Ça n'a respecte ni un sens. Ni une norme géographique, ni une norme politique. Le Sahara, qu'est-ce que ça veut dire ? Le mot Sahara, ça veut dire désert. Et le désert, ça commence en fait au sud de l'Atlas, juste au sud de Marrakech, pour continuer jusqu'à Marrakech, jusqu'à la Mauritanie, pour continuer jusqu'à la Libye et même jusqu'à l'Égypte. Et dans cet espace, c'est les mêmes tribus qui se retrouvent, c'est le même phénomène sociologique, disons. Et s'il y a lieu à parler d'un peuple sahraoui, c'est possible, mais il doit englober l'ensemble de ce territoire. Alors pourquoi le Sahara, nous considérons que le Sahara, Sahara occidental comme marocain? Tout simplement, je ne reviens pas aux arguments historiques anciens, ça n'est pas la peine, et ce n'est pas nécessaire. Ça n'est pas d'ailleurs de mon approche, mais tout simplement le fait que le Maroc est le seul pays de la région qui a été soumis à la colonisation espagnole. Et
cette, disons, ce fait politique a été dirigé à partir de Tétouan, c'est-à-dire à partir du nord. Et comme exactement, disons, le Sahara central, qui fait partie de l'Algérie, était soumis à la colonisation française. Même, il faut bien le dire, à la fin des années 50, les Français, on n'a pas le temps pour le développer tout ça, le Français ont tenté de séparer le Sahara central de l'Algérie. Troisième question aussi importante pour nous, pour notre histoire, même en tant que SFP, la question de la décolonisation du Sahara a été intimement liée à ces mouvements. En 58, tout le monde le sait, il y a eu une armée de libération marocaine qui a combattu au nord, qui est descendue au sud et qui a joué un rôle important dans la décolonisation même du Sahara occidental à ce moment-là. Rien dire, un élément important, une bonne partie de la direction de la cette armée de libération a joué un rôle important dans la naissance même de l'USFP en 59. Quatrième argument important sur lequel il y a une controverse, c'est la naissance du Polisario. Naissance qui se situe exactement en 73-74. La naissance du Polisario est le fait de jonction de plusieurs phénomènes internes au Maroc, mais aussi géopolitiques. Bon, la plupart d'un certain nombre de personnes qui sont là et qui étaient à l'UNEM dans les années, au début des années 70, l'UNEM, ça veut dire l'Union nationale des étudiants du Maroc, savaient qu'à la fin des années 60, il y a eu à l'université chez nous la montée d'un mouvement gauchiste. Et dans cette montée, il y avait un certain nombre de jeunes qui étaient du Sahara, tout simplement. Et alors, c'est à ce moment-là que il y a eu ce mouvement né à l'intérieur, disons, du gauchisme marocain, et qui est d'ailleurs à la naissance du gauchisme, un double gauchisme, celui de la France, 68, mais aussi, disons, le palestinien, qui a eu aussi une influence sur la question. Alors, c'est à ce moment-là que le pouvoir franquiste lui-même, en Espagne, poussait à la naissance d'un État autonome au Sahara occidental, pour des considérations liées au fait que le Sahara vient juste devant les îles Canaries, etc. Et pour des considérations liées aussi à la naissance de l'économie de pêche dont on a beaucoup parlé cette année. À ce même moment aussi, le Maroc était en contradiction avec le Qaddafi, le Maroc officiel. Avec le Qaddafi, les deux régimes ne s'acceptaient pas. Et à ce moment-là, c'était à ce moment-là où le Qaddafi a pris aussi des initiatives pour aider la naissance de ce mouvement polisario. Et en fait, surtout, c'est à ce moment-là que l'Algérie, à travers sa situation politique et économique, avec son pétrole, avec sa position tiers-mondiste, avec aussi, de notre point de vue, sa position hégémoniste régionale, a épousé, disons, la thèse que nous considérons comme séparatiste. Donc, il faut nécessairement considérer tout ceci, mais il faut aussi considérer que depuis l'indépendance de l'Algérie, le Maroc s'est trouvé en compétition avec l'Algérie pour des considérations géopolitiques. Le Maroc, il ne faut pas l'oublier, n'a cessé jusqu'à ces dernières années de revendiquer la marocanité de Tindouf elle-même. C'est un élément aussi fondamental dans le conflit entre le Maroc et l'Algérie. Alors à partir de là, aussi, on a une position qui n'est pas toujours comprise par les Européens. C'est le fait que nous sommes, en tant que Marocains, et disons même en tant qu'Arabes, contre la naissance des petites entités. Nous considérons que la naissance des petites entités fait partie, disons, d'une approche néocoloniale dans le monde arabe. Nous considérons que nous avons besoin plutôt d'avoir des entités cohérentes, fortes, capables de négocier et d'affronter le reste du monde, et notamment l'Europe. C'est pour cela que dans cette question-là, nous avons, disons, notre position
à elle est liée essentiellement à trois attitudes. La nécessité de défendre l'unité territoriale, tenir compte bien sûr de la spécificité culturelle du Sahara, mais pour nous le Sahara commence au sud de l'Atlas, et bien sûr faire promouvoir le projet Maghreb. Alors sur ce plan-là, bien sûr, la gauche européenne a eu, dans les années 70, une attitude plutôt pro-algérienne, clairement, et qui est liée aussi à des considérations historiques, j'en ai parlé, à une affinité, disons, notamment avec le parti unique, le FLN. Très rapidement, deux grandes questions. La dernière question sur laquelle il y a eu une différence d'approche entre nous et la gauche européenne, c'est les positions de nos deux mouvements en ce qui concerne le Moyen-Orient. Nous avons été toujours pro-Palestine. Nous l'avons toujours considéré comme la Palestine comme une question même interne, qui fait partie de notre équilibre politique et même passionnel. La gauche européenne, disons-le très pendant, a été souvent pro-israélienne. Et autour de la guerre 56-67-73, elle n'a pas eu nécessairement, elle n'a pas tenu compte, elle était en retard aussi sur cette question-là, même quelquefois par rapport à une certaine droite européenne. Bien sûr, sur cette question-là, le Maroc considère qu'il a une capacité, à travers son histoire, j'en ai parlé, d'être un intermédiaire sur la question aussi du conflit entre les Palestiniens et les Israéliens. Alors, la visite même d'hier de Peres incarne cette attitude. Nous avons eu aussi un désaccord sur la question du Golfe. Là aussi, pourquoi les Marocains ont été nécessairement, disons-le, pro-peuple irakien ? Parce que, au fond, je le dis très clairement, nous avons toujours considéré les petites entités, même du Golfe, comme des entités qui perturbent l'équilibre du monde arabe. Et c'est pour cela, c'est ça, ça fait partie aussi de notre culture politique. Et ce qui a amené la guerre, bien sûr, nous avons eu une attitude critique par rapport à Saddam Hussein et son système. Nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, contre le système du parti unique, etc. Et nous avons toujours considéré que ce qui a amené l'Irak à occuper le Koweït, c'est un fait bien sûr déplorable, est dû aussi aux contradictions au sein du monde arabe, entre les petits pays, les grands pays, entre les pays riches, les pays opulents, les pays pauvres, etc. Alors, à travers tout ce débat, et à travers ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire Barcelone, je crois que nous sommes appelés, des deux côtés de la Méditerranée, à rénover le socialisme. À rénover le socialisme dans un cadre, bien sûr, euro-méditerranéen, et pour nous, euro-maghreb. Rénover le socialisme aujourd'hui, c'est tenir compte, après la fin du soviétisme, disons, c'est tenir compte aussi de la mondialité, c'est tenir compte du fait que l'écart entre le Nord et le Sud, et notamment dans notre région, n'a cessé de s'élargir, c'est tenir compte du fait que, de ce fait, nous sommes le prolétariat aujourd'hui de la mondialité et de la régionalisation. Nous sommes la véritable périphérie, nous sommes la véritable banlieue, disons, de la région. Et sur ce plan-là, bien sûr, nous appelons les socialistes européens à tenir compte des contraintes de nos économies. Et je pense essentiellement, par exemple, à la contrainte commerciale, à la contrainte de la dette. Je crois que aussi les Européens doivent tenir compte du fait que la nécessité pour nous devrait pour la promotion du projet Maghreb. C'est fondamental. Et nous considérons que là aussi, être démocrate chez nous, être socialiste chez nous, c'est aussi lutter pour le Maghreb. Mais là aussi, nous ne voulons pas que de l'autre côté qu'il y ait des entraves. Donc, nous avons tous besoin, des deux côtés, des nouveaux souffles pour aussi développer le projet démocratique. Nous considérons que l'intérêt de l'Europe pour notre région
ne peut être que salutaire pour la démocratie européenne. La démocratie européenne a besoin d'être réchauffée par la Méditerranée et par le Maghreb. Et donc, elle a besoin de s'intéresser aussi à nos questions. C'est pour cela que nous voulons aussi qu'il y ait une sorte d'intériorisation de ce débat au sein de l'opinion publique européenne. À nous aussi, nous avons des obligations. Nos obligations à l'intérieur de nos pays, de la région, c'est lutter pour la démocratie, lutter pour les droits de l'homme, lutter pour la modernité politique, la modernité économique. Lutter au Maroc, mais lutter aussi au Maghreb. Merci. Simplement cette intervention, les précisions qui ont été apportées par M. Ouellalo concernant la spécificité religieuse, politique, économique du Maroc dans ses rapports avec l'Europe, en particulier par le détour historique qu'il a fait, des explications, des précisions qu'il a données sur les caractéristiques qui ont présidé à l'émergence de la gauche marocaine, par quoi se caractérise la gauche marocaine si on est amené à la comparer avec la gauche européenne. Donc il y a peut-être une attitude de compréhension mutuelle à essayer d'initier à ce niveau-là pour comprendre les conditions dans lesquelles la gauche marocaine a émergé, qui sont complètement différentes et qui expliqueraient peut-être les prises de position différentes, divergentes même, il faut le dire, il faut bien le dire, sur les différentes questions qui ont été évoquées. Donc je retiens tout autant la nécessité de poursuivre le dialogue et de chercher à se connaître davantage pour comprendre les motivations des uns et des autres. M. Ouellalo aboutit au constat définitif en fin de parcours, au constat qu'il nous faut rénover la gauche, qu'il nous faut rénover, reconsidérer la conception du socialisme. Qu'est-ce que ça veut dire d'être socialiste au XXIe siècle, compte tenu des nouvelles données géopolitiques, économiques, internationales? La reconsidération de ces aspects-là doit absolument intervenir, et peut-être qu'elle sera l'occasion de rapprocher davantage les points de vue au niveau de l'interprétation, au niveau de la perception que nous avons des différents domaines d'intérêt commun. Enfin, je retiens aussi l'appel qu'a lancé M. Ouellalo à la gauche européenne pour comprendre aussi et la sensibiliser à une question qui est tout à fait déterminante, qui consiste à dire que le processus de démocratisation à l'œuvre dans les pays du Sud et en particulier au Maroc est aussi conditionné par le desserrement des contraintes qui pèsent sur un plan économique sur ces pays-là, qui sont claires, et en particulier la dette, je pense à la dette, et que l'Europe peut-être, sans doute doit-elle tenir compte de ces pressions qui s'exercent et qui sont un obstacle, finalement, en définitive, à la réussite et à la poursuite de la démocratisation dans ces pays. Voilà. Sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Glauser, qui va commenter le propos de M. Ouellalo, et à la suite de quoi on pourra engager un débat dans la salle, si vous le souhaitez. Mesdames et Messieurs, merci beaucoup pour la possibilité de parler à vous. Ich spreche aber jetzt in Deutsch. Ich möchte zuerst ein paar Dinge erwähnen im Hinblick auf die Beziehungen zwischen Marokko, ihrem Land und der Europäischen Union und im Anschluss daran aber auch kurz auf ein paar Dinge eingehen, die eben erwähnt worden sind. Ich möchte nur mit einem Blick auch in deutsche Zeitungen beginnen, denn vor wenigen Tagen hat eine sehr bedeutende deutsche Wirtschaftszeitung eine Überschrift formuliert: Rabatt,
verspricht sich viel von der Annäherung der Europäischen Union. Und diese Thematik war auch im Rahmen oder anlässlich der Barcelona-Konferenz in vielen deutschen Zeitungen zu lesen. Und wenn es überhaupt Themen gegeben hat, die diese Konferenz illustrieren sollten, dann sind sehr viele Beispiele, sehr viele Berichte wiedergegeben worden aus Marokko. Zum Beispiel ein sehr umfänglicher Bericht in der deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Umgekehrt könnte ich formulieren, dass auch die Europäische Union ein sehr starkes Interesse an der Zusammenarbeit mit Marokko hat. Grenzt doch die Europäische Union im Süden mit Spanien an Marokko. Schon aus dieser geografischen Nähe ergeben sich gemeinsame Aufgaben, gemeinsame Probleme, aber eben auch ein gemeinsamer Handlungsbedarf. Und ich denke auch zwischen Marokko und der Europäischen Union auch gemeinsame Lösungsmöglichkeiten. In unserem Land, in Deutschland, bestanden in den letzten Monaten, Jahren doch, meine ich, unterschiedliche Auffassungen, wie wir unsere Beziehungen zu dem nordafrikanischen Bereich, zu den Mittelmeeranrainerstaaten gestalten sollten. Herr Lieser hat das vorhin angesprochen. Einerseits der Fall der Mauer, der Wegfall der Grenzen und damit eine Aufgabe für Deutschland, sich doch wieder mehr den osteuropäischen Ländern zu widmen. Die SPD war ob auf nationaler Ebene oder aber im Europaparlament der Auffassung, dass hier eine gleichgewichtige Politik gestaltet werden soll. Das heißt, es konnte nicht lauten, Deutschland, Niederlande beispielsweise oder die skandinavischen Länder sind für die osteuropäischen Länder zuständig und Frankreich, Spanien, Portugal, Italien sind für Marokko, sind für Tunesien, für Libyen und andere Länder zuständig. Diese Aufgabenteilung war nicht die Auffassung der SPD. Teilweise gab es hier unterschiedliche Interpretationen in den Koalitionsparteien, CDU, CSU und FDP. Aber ich kann feststellen, dass in der Vorbereitung zu Barcelona im Ausschuss für die europäischen Angelegenheiten des deutschen Parlaments ganz klar gesagt wurde, dass alle 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union für eine gemeinsame Mittelmeerpolitik sind. Insofern, glaube ich, ist das auch eine gute Ausgangssituation, um die Aufgaben zu gestalten. Nur ein ganz kurzer Rückblick. Ich selbst bin erst seit einem Jahr im deutschen Parlament und ich gestehe auch ein, das haben wir bereits auch gestern diskutiert, was ist in unserem Land über Marokko bekannt. Ich erinnere mich noch als Jugendlicher an das schlimme Erdbeben in Agadir. Ich erinnere mich an Fragen des Tourismus. Aber wenn man sich mehr mit ihrem Land beschäftigt und das Stichwort Europäische Union, Europäische Gemeinschaft betrachtet, stelle ich fest, dass es ja seit 1957 bereits einen Beginn gegeben hat zwischen ihrem Land und der Europäischen Gemeinschaft, nämlich als bei der Unterzeichnung der Verträge von Rom in einem Protokoll festgehalten wurde, dass der Warenverkehr von Marokko nach Frankreich, das hat ja diese Beziehung, die vorhin auch erwähnt worden ist, zollrechtlich unverändert bleibt. Ich kann nicht alle Stationen aufführen, aber es wurde in den letzten Jahrzehnten ein ständiges Ausbauen dieser Beziehungen nicht nur gefordert, sondern auch gestaltet. Sicherlich aus Ihrer Perspektive, das habe ich auch bei meinem ersten Besuch vor wenigen Monaten festgestellt, manchmal auch nicht schnell genug zwischen der Europäischen Union und Marokko. Wenn ich vorhin das Datum 1957 erwähnte, gab es 12 Jahre später erst ein sehr kleines und begrenztes Handelsabkommen der Gemeinschaft mit Marokko. Ich denke, um eine weitere Station herauszugreifen, dass bereits im Jahr 1991 anlässlich des Besuches des EG-Kommissars es Übereinstimmung gegeben hat,
über die Grundzüge einer neuen Partnerschaft, deren Stichworte auch heute wieder, sag ich mal, weitaus stärker gewichtet werden. Beispiel: ein erweiterter politischer Dialog, die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit, die finanzielle Zusammenarbeit und das langfristige Ziel einer Freihandelszone. Danach kamen allerdings ja auch wieder Rückschritte. Ich denke nur an den auch vor wenigen Wochen endgültig beigelegten Fischereikonflikt. Ich denke, auch hier haben wir in Gesprächen mit der OSZB im Juni diesen Jahres auch unsere Position als SPD deutlich gemacht, dass wir es nicht für gut fanden, wie hier das Meer überfischt wurde, aber nicht für diejenigen, die dort zu Hause sind, die dort ihren Beruf des Fischers nachgehen, sondern von den spanischen Freunden von Spanien. Und ich denke, dass hier ein gewichtiger Schritt vorgenommen worden ist. Und ich denke dann, dass sicherlich jetzt der Ausgangspunkt ist, um es aber auch wirklich für die Zukunft konkret zu gestalten, die Mittelmeerkonferenz und die dann folgenden, denke ich doch, Abkommen zwischen der Europäischen Union und den verschiedenen Partnerstaaten, beispielsweise eben auch mit Marokko. Mit all diesen Partnerstaaten wird die EG einen neuen Typ von Europa-Mittelmeer-Assoziierungsabkommen schließen, anstelle der bisherigen Kooperationsabkommen. Die wesentlichen Eckdaten sind, und insofern wiederhole ich das nur mit einer sicherlich steigenden Betonung, dass in der Tat es einen Mechanismus, eine Institution geben muss, um diesen politischen Dialog fortzuführen, zu gestalten, eine schrittweise Liberalisierung des Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs, die Ausweitung des Handels, aber auch, ich betone, und da gibt es ja auch einen Nachholbedarf in unserem Land, die Zusammenarbeit im sozialen und im kulturellen Bereich. Ich denke, es ist in der Tat so, dass auch in unserem Land zu wenig bekannt ist, beispielsweise über die Kultur. Und wenn das, denke ich, jetzt auch wirksam gestaltet wird, nämlich diese Mittelmeerpolitik, dann glaube ich, ist das ein glaubhaftes Gegenstück der Europäischen Union zu ihrer Politik der Öffnung nach Osten, wie wir sicherlich auch gestalten müssen. Dass die Annäherung der Europäischen Union Vorteile für ihr Land bringt, zum Beispiel die Öffnung europäischer Märkte für marokkanische Erzeugnisse, ist sicherlich die eine Seite. Andererseits ergeben sich durch den Abbau von Schutzzöllen aber auch Probleme für lokale Betriebe, für lokale Unternehmen in ihrem Land, die eben nicht dann imstande sein werden, dem europäischen Konkurrenzdruck standzuhalten. Aber eine Umstrukturierung der Wirtschaft wird notwendig sein, und ich füge hinzu, dass es gerade jetzt auch in diesem Dialog, in diesen Abkommen es notwendig sein wird, Ihrem Land, Ihren Betrieben, Ihren Unternehmen bei der Umstrukturierung zu helfen, durch Beratung, aber sicherlich auch durch finanzielle Hilfen. Die Europäische Union muss abgesehen von Beziehungen zu anderen Staaten des Mittelmeerraumes ein besonderes Interesse an der weiteren Entwicklung Marokkos haben. Ich führe einige Gründe an. Das ist einmal die unmittelbare Nähe zum Süden der Europäischen Union, aber auch, Sie haben es angesprochen, die Fortentwicklung demokratischer Prinzipien, die Weiterentwicklung der Wirtschaft. Und ich füge die Hoffnung an, aus der Sicht auch eines deutschen Parlamentariers zu einer sozialen und umweltverträglichen Wirtschaft. Eben auch Marokko als der Stabilitätsfaktor am Mittelmeer und ich denke aber auch als Modell für benachbarte Länder. Und jetzt komme ich auf einen Punkt, der eben gerade angesprochen worden ist, den man bei all diesen positiven Entwicklungen auch aus Sicht, aus europäischer Sicht, aus deutscher Sicht nicht vergessen darf. Ich denke eben auch an den Westsahara-Konflikt. Und es wurden auch verschiedene Bereiche angesprochen. Ich weiß nicht, ob der Konflikt so einheitlich in Europa oder in der Europäischen Union gesehen wird. Auch für mich ist es immer etwas schwierig, jetzt zu definieren, wer oder was ist die Europäische Linke. Hier gibt es sehr unterschiedliche Entwicklungen auch in den europäischen Mitgliedstaaten. Und selbst
wenn die historische Darstellung dieses Entstehens, dieses Konfliktes so ist, dann gibt es in der Zwischenzeit einen Friedensplan. Einen Friedensplan, den ja alle Parteien unterschrieben haben. Und ich möchte auch nicht, auch aufgrund eines Besuches vor wenigen Monaten in Laayoune bzw. in Tindouf, aber auch in Gesprächen, die wir in Bonn geführt haben mit Vertretern der Polisario, aber auch mit Gesprächen mit den marokkanischen Botschaftern, jetzt in irgendeiner Form eine Schuld zuzuweisen. Nur eine Feststellung möchte ich machen, ich denke, das ist auch in Übereinstimmung mit dem Europäischen Parlament. Wir kommen einfach zu keinem Ergebnis. Es ist ein Referendum vorgesehen und es wird ständig der Termin, an dem ein Referendum stattfinden sollte, verschoben. Und ich denke, hier muss es eine Lösung geben. Und von beiden Seiten höre ich ja, sowohl von der Polisario, aber auch gestern erst wieder in einem Gespräch, das Ergebnis eines Referendums, ganz gleich wie es ausgeht, wird akzeptiert werden. Und ich denke, je länger sich dieser Prozess hinzieht, besteht möglicherweise auch die Gefahr, dass dieses Referendum nie zustande kommt und dann möglicherweise auch, sage ich mal, ein militärischer Konflikt wieder entsteht. Und ich denke, das wäre nicht gut. Das wäre nicht nur für Marokko nicht gut. Ich denke, das wäre für alle Betroffenen nicht gut, aber auch für die im Rahmen der Beziehungen der Europäischen Union und zu Marokko. Ich denke, es ist der Sinn, auch solche Veranstaltungen, aber auch gerade der Besuche, der Gespräche, dass wir mehr Verständnis in der Tat erhalten über die Entwicklung. Und ich habe das auch nach meiner Rückkehr nach Deutschland gesagt, wer kümmert sich eigentlich um diesen Konflikt noch, über den Westsahara-Konflikt? Es ist ein vergessener Konflikt und ich denke, es besteht auch die Notwendigkeit, auch in Deutschland, auch die unterschiedlichen Positionen darzulegen, um deutlich zu machen, welche Bedeutung das hat. Ich habe das auch damals angesprochen, vor allem vor dem Hintergrund, der zuletzt auch genannt worden ist, dass Ihr König auch im Gespräch der Vermittlung zwischen Israel und den Palästinensern ja eine bedeutende Rolle gespielt hat, Vermittlungsgespräche geführt hat, dass aber der Konflikt selbst, der Westsahara-Konflikt, noch nicht gelöst ist. Ich denke aber auch, um noch ein Stichwort aufzugreifen, ich kann sicherlich nicht alle Punkte hier kommentieren, aber ich denke, wir sind uns noch einig darüber, weil die Linke angesprochen worden ist, beispielsweise die Sozialdemokratie in Deutschland über Jahre hinweg, sicherlich mit Veränderungen aufgrund aktueller Entwicklung, ja auch unser Eintreten für Rechte, für Bürgerrechte, für Grundrechte im sozialen Bereich und neuerdings in den letzten Jahren verstärkt auch im Bereich des Eintretens für die Umwelt, weil wir denken, dass die Schonung der Ressourcen notwendig ist. Und ich darf nur noch ein Beispiel erwähnen, als wir in Laayoune die Fischer besuchten, die ihre Erträge an Land brachten, dann haben wir einen Fischer gesprochen aus Casablanca, der in Laayoune seiner Tätigkeit nachging. Und auf die Frage, warum er denn in Laayoune fischte, sagt er, vor Casablanca gäbe es keine Fischgründe mehr. Die Ursachen gab es mehrere. Vor allem auch den Umweltbereich. Ich kann das selbst jetzt nicht beurteilen, weil mir die Fakten nicht vorliegen, aber er meinte eben, durch die Umweltzerstörung sind ihm auch die Fischgründe entsprechend geschädigt worden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, mein Fazit ist, auch nach dem Ende der Barcelona-Konferenz, dass sich die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Marokko kontinuierlich entwickelt haben, dass es sicherlich nicht dazu gekommen ist und auch Schwierigkeiten macht, eines Beitritts von Marokko zur Europäischen Union. Da gibt es sicherlich Grundlagen in unserem europäischen Vertrag. Aber eins möchte ich schon auch feststellen, dass Marokko immer ein Katalysator war für die euro-mediterrane Idee, die ja in der Zwischenzeit in ein entscheidendes Stadium gedreht ist, und dass diese Beziehungen dienen, noch mehr über ihr Land, über ihre Menschen und über ihre Kultur zu erfahren. Die Beziehungen dienen aber auch dazu, mit Rat, mit Hilfe
sowohl durch Menschen als auch durch finanzielle Unterstützung zu der Entwicklung ihres Landes beizutragen. Ich denke, dazu wollen die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die heute hier zu Gast sind, aber auch mit der sozialdemokratischen oder sozialistischen Fraktion im Europäischen Parlament einen Beitrag leisten. Vielen Dank. Deux idées fondamentales, me semble-t-il. La première, c'est que c'est le constat du faible niveau de connaissance, la proximité géographique et probablement, que les Allemands ont du Maroc, et donc la nécessité d'essayer d'approfondir les domaines, enfin, en tout cas la discussion, et de la poursuivre plus à fond sur les différentes questions d'intérêt commun, en espérant toutefois que la conférence de Barcelone sera l'occasion justement d'engager une nouvelle forme de dialogue. La deuxième idée, c'est concernant le dossier du Sahara. Je crois que... C'est bon ? La deuxième question concerne le dossier du Sahara. Je crois que la communication, l'intervention de M. Glauser appelle une réaction de la part des Marocains pour justement donner un peu quelques informations sur les développements les plus récents de ce dossier au Maroc et sur l'évolution peut-être du plan de paix d'organisation des Nations Unies sur cette question-là. Et je crois qu'il faudra ensuite qu'on puisse engager le débat sur les différents thèmes en s'ouvrant un peu plus vers la salle sur les différents thèmes qui ont été évoqués et en développant davantage ces questions-là. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une réaction? Une réaction par rapport à ce que vous voulez ouvrir le débat directement dans la salle, s'il y a... Après. D'accord. Est-ce qu'il y a une précision, une intervention particulière par rapport aux deux communications Je crois qu'il faudra peut-être que vous que vous répondiez, que vous interveniez par rapport juste à la question. Ah, monsieur Ramad, merci. Merci, monsieur. Très simplement, pour la traduction. Merci, monsieur le président. Oui, donc il y a deux exposés, je pense, sont très riches et incontestablement apportent des éléments fort intéressants dans le débat qui nous préoccupe aujourd'hui. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je remercie le conférencier, c'est Hamad et également le commentaire fait par notre ami allemand. Et je voudrais simplement faire trois petites remarques. La première, c'est un peu nuancé. Les propos de Hamad concernant l'émergence d'une gauche au Maroc. Bon, c'est pas pour ouvrir un débat, mais je pense qu'il a parfaitement raison de dire que la gauche est née avec le fait colonial et pas, disons, opposition à l'impérialisme et à l'attitude des forces impérialistes par rapport à notre pays. Ceci est incontestable, mais je pense aussi que l'évolution de la société marocaine avec l'introduction du colonialisme incontestablement, c'est le colonialisme qui a été la cause de ces phénomènes lourds apparus pendant cette période, et l'émergence de salariés, de nouveaux rapports au sein des forces productives, je pense que ça a été quand même un élément pour mûrir ces idées de gauche au sein du mouvement national. Et je pense qu'il faut un peu nuancer. Et d'ailleurs, il est incontestable que la naissance même du grand parti du NFP, du temps du SFP, a été aussi à tenir compte de cette évolution au sein de la société marocaine. Deuxième petite remarque, c'est concernant le Sahara. Le président nous a appelé à réagir, mais ce n'est pas pour réagir, mais simplement je me pose la question. Parce que l'attitude, quand on discute avec nos amis européens, ou même au-delà de l'Europe, américains et autres, c'est toujours des arguments quelque peu formaliste. Ils s'en tiennent et se tiennent à des arguments formalistes. Voilà, un habitant, une voix,
un jour j'étais aux États-Unis, j'ai discuté avec des Américains, me dit, mais le référendum, l'autodétermination, ce qui se trouve en ce moment, on parle. Moi, c'est tout. On ne sait pas qui était avant, qui était après. Maintenant, ce qui se trouve à cet instant, c'est comme si on organisait un référendum dans un État américain sur un nouvel impôt, quelque chose comme ça. C'est un peu simplisme. Alors, je me pose la question, pourquoi, pour la solution de certains problèmes fort compliqués, par exemple, actuellement, ce qu'on va signer aujourd'hui à Paris, l'affaire de l'ex-Yougoslavie, on a tenu compte des éléments de l'histoire. Et pourquoi pour cette affaire africaine ou arabe ou marocaine, on refuse de tenir compte de l'histoire également dans la solution de ce problème. Donc là, je pense que cette attitude quelque peu formaliste et simpliste pourrait cacher quelque chose. Je ne vais pas plus loin, mais je pense quand même que les Européens devraient un peu s'interroger eux-mêmes. Troisième petite remarque, c'est un peu l'attitude qu'on constate à travers les différents programmes avec nos amis européens. C'est vrai que la communauté européenne fait un effort considérable pour les pays comme le Maroc et pour d'autres pays. Mais très souvent, c'est... Allah, il a parlé que nous sommes un peu la périphérie, pour ne pas dire la banlieue de l'Europe. Mais très souvent, on constate que nos amis viennent avec des programmes, ils ont été élaborés par les techniciens et les technocrates et les spécialistes compétents de Bruxelles, et il vient chez nous, il nous le propose. Après, on doit laisser viser. Oui, c'est peut-être, ça part d'un très bon sentiment, c'est peut-être qu'ils le font de très bonne foi, je n'en doute pas, mais je pense que même pour ces programmes, même pour cette coopération, et si on est la banlieue, il faut quand même que ce soit élaboré de manière commune, et dans le cadre d'un véritable partenariat. Et je m'arrête là, merci monsieur le président. Merci monsieur le président. La première, sur la question religieuse, j'ai constaté qu'elle a été assez évasive, assez rapide, alors que je suis presque sûr que nos amis allemands attendent beaucoup de cette rencontre pour justement les éclairer sur ce qu'on appelle maintenant le phénomène islamiste, etc. Et moi, personnellement, j'en ai fait l'expérience, j'ai eu la chance de passer de séjourner un mois à Heidelberg, et dans les rencontres radicales, trois grands sujets pratiquement qui revenaient tout le temps, le cannabis, la femme, le mouvement islamiste et évidemment l'immigration clandestine. Ma réponse était toujours la suivante. Vous Allemands, faites comme si vous aviez le même phénomène, comment vous l'auriez traité? Et c'est une question qu'on peut donc renvoyer à notre partenaire concernant c'est la question religieuse, la question islamiste. Pour la dette extérieure, je pense là il n'y a plus aucun doute. On attendait beaucoup de Barcelone et on pensait qu'il y allait y avoir un geste justement pour, sinon l'annulation, la suppression, du moins l'allègement de cette dette. Faut-il rappeler un peu les chiffres? 20 milliards de dollars, c'est énorme pour le Maroc, c'est un peu comme du blanc dans les ailes. 66% de notre PIB, 33% de la dette, le service de cette dette représente 33% de nos exportations, etc. Donc il faut absolument, je pense, œuvrer dans ce sens, sensibiliser surtout les partis de gauche européens pour aider les pays, surtout les pays les plus endettés comme le Maroc. Et la dernière petite question que je voudrais aussi soulever, c'est cette question du Sahara occidental, l'intégrité territoriale. Je pense que s'il y a un pays en Europe qui doit être du côté du Maroc, me semble-t-il, c'est l'Allemagne. Pour avoir, depuis des siècles, pendant des siècles, souffert du morcellement territorial pour avoir connu des luttes intestines entre principautés, etc. Et pourquoi nous privilégions, nous aimons ces moments forts dans l'histoire du 19e siècle allemand, c'est d'abord le grand moment de Bismarck, parce que c'était le grand moment de la réunification, et aussi le moment de la République de Weimar, dont le premier président n'était autre que Hébert.
Alors, il me semble que l'Allemagne, qui a connu ces morcellements, qui a connu ces désintégrations, et qui maintenant propose la solution qui me semble aussi la nôtre, c'est la solution unioniste, la solution fédéraliste, et on voit maintenant les deux grandes Allemagnes, après la chute du rideau de fer. Donc s'il y a quelque chose, une politique à défendre, c'est bien celle-là, et non pas la création d'une nouvelle petite entité qui ne serait qu'une épine dans le pied du Maroc et qui viendra compliquer la tâche ô combien ardue dans l'unification, l'union de ce grand Maghreb arabe dont on voudrait un jour revoir la création. Et dernière petite question, c'est concernant la CEE. On m'a toujours dit rétorqué, on m'a toujours dit, mais vous demandez votre adhésion à la CEE, mais à quel titre ? Si c'est à titre de membre à part entière, il va falloir que l'Union européenne, la CEE, change de nom. Pas, vous êtes un pays arabe, vous avez une autre culture, etc. Et une autre, celle-là, alors c'est une autre grande question. Il faut qu'il y ait d'abord un référendum au Maroc, comme on a fait dans les pays du nord de l'Europe, les pays comme la Norvège, la Suède et le Danemark, pour voir si véritablement le peuple marocain désire adhérer à part entière à l'Europe. Or, c'est une question qu'on ne pose jamais, et c'est quelque chose qui se décide toujours par mot. Merci, M. Rémich. Je demanderai aux intervenants de se présenter dorénavant. Je présente le premier intervenant, c'est M. Amar Fassi, qui est universitaire et membre du Parti du Progrès du Socialisme. Et le second intervenant, M. Vincent Rémich, qui est professeur de philosophie. Aussi, j'aimerais, pour nos intervenants allemands, j'aimerais qu'ils, dans leur intervention, qu'ils puissent d'abord réagir aux propos développés par les Marocains, mais aussi qu'ils précisent davantage les points sur lesquels ils aimeraient que les Marocains apportent des précisions supplémentaires. Voilà. Madame, je vous en prie. Da oben sitzen nur Männer, deswegen hat man die Fragen der Frau wahrscheinlich nicht so stark betont. Ich möchte das jetzt tun, weil ich denke, dass ich als eine linke Frau meine, es gibt überhaupt keine Freiheit ohne die Freiheit der Frau. Und die Chancengleichheit der Frau ist gerade auch im europäischen Rahmen immer wieder Gegenstand von Beratungen, dass die gleiche Ausbildung, eine Entscheidung bei der Familienplanung, und ich komme aus Berlin und es gibt dort sehr, sehr viele Frauengruppen, die aus islamischen Ländern kommen, und ich versuche die ganze Zeit für mich und durch Fragen zu entdecken, an welcher Stelle im Koran es steht, dass Frauen weniger wert sind wie Männer. Und dass man mit ihnen so umgehen kann, wie man mit ihnen umgeht. Und es ist auch so, dass wir in Deutschland durchaus diese Probleme noch nicht vollständig gelöst haben. Aber dass gerade die linken Frauen versuchen, dieses auch im Angedenken an August Bebel zu tun, zu sagen, wir müssen nicht immer nur an die Klassenfrage denken, sondern auch an die Gleichheit der Geschlechter. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das erwähnt haben. Und wenn Sie sagen, man muss uns dann antworten, wie haben Sie diese Fragen gelöst, dann hoffe ich, dass ich ein wenig jetzt davon antworten konnte. Aber ich bin bereit, da noch viel mehr zu tun. Und ich weiß sehr wohl, dass es bei Männern etwas schwierig ist, wenn man ihnen sagt, wir müssen euch etwas wegnehmen und wir müssen den Frauen geben. Das ist bei uns auch nicht ganz einfach. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ja, natürlich. Mein Name ist Ingrid Holzhüter, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages. Merci de votre intervention. Je crois qu'il y aura des réactions nécessairement. Je vois qu'il y a Madame Aïcha Blaabi qui est parmi nous, qui pourra peut-être donner une réponse sur cette question, qui est une femme de gauche. Ou même Madame Khalida Mouhar aussi qui peut répondre sur cette question, je crois que. Mais avant de passer à cette question, j'aimerais donner la parole à monsieur.
Ja, mein Name ist Jan Sekelayu, ich bin Mitglied des Europäischen Parlaments und dort Obmann der Sozialistischen Fraktion im Auswärtigen Ausschuss. Ich möchte den ersten Teil von Fragen und Kommentaren zu Westsahara hier ansprechen, aber das Wichtigste für mich ist die Frage der Barcelona-Konferenz, der neuen Politik zwischen Europäischer Union und Mittelmeer. Was Westsahara angeht, ich denke, das Problem, was Fadla Walalua angesprochen hat, ist wirklich auch ein Informationsproblem. Ich erinnere mich 1985 in den Büros der Partei hier, wie vor einer Karte uns versucht wurde, darzustellen, wie das Problem liegt. Man braucht sehr viel Verständnis und sehr viel Zeit, um überhaupt da reinzukommen. Ich denke, für die Linken überhaupt, für die marokkanische Linke und für die deutsche Linke und für die europäische Linke, müsste überhaupt die Frage der Selbstbestimmung nochmal aufgeworfen werden. Es musste gefragt werden, auch angesichts dessen, was wir in Jugoslawien erfahren haben, wann und wie wir in dieser Frage uns stark machen. Das Problem, was ich sehe, jetzt das konkrete Problem, ist das Problem des Verständnisses. Ich sehe einen anderen Bereich, wo ebenfalls eine riesige Ungerechtigkeit geschieht und die aber die Verhältnisse zwischen den Parteien nicht so getrübt hat. Das ist zum Beispiel die Besatzung Nordzyperns, die anhält. Und trotzdem haben wir gestern gerade, ich habe gestern mit abgestimmt, der Türkei die Zollunion gegeben, von der Europäischen Union aus. Also denke ich, dass diese Frage mit um Westsahara sehr versteckt bleibt und sehr mystifiziert, und wir haben nicht die Möglichkeit, richtig darüber zu sprechen. Aber Marokko hat auch dazu beigetragen, jetzt komme ich auf das, was Günter Glosser gesagt hat, es gibt einen Friedensplan und dieser Friedensplan wird eben nicht erfüllt. Wenn das in Frage gestellt wird, soll das auch gesagt werden, soll es auf den Tisch, und wir können auch darüber diskutieren, aber zunächst mal gehen wir mal davon aus, in einer Erwartungshaltung, dieser Friedensplan sollte erfüllt werden. Jetzt komme ich zu der Barcelona-Konferenz. Die scheint mir sehr wichtig. Als das Wichtigste scheint mir, dass es gelungen ist, insgesamt die Europäische Union dafür zu interessieren. Aber liebe Freunde, machen wir uns nichts vor. Wir haben gestern eine große Debatte zu Barcelona, über die Ergebnisse von Barcelona gesprochen. Der Einzige, der in einer anderen Sprache als eine Mittelmeersprache, das heißt Griechisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, gesprochen hat, war ich. Es gab keinen anderen, der in die Debatte eingegriffen hat, der aus einem anderen Land kam. Also müssen gerade diejenigen, die an diese Mittelmeerpolitik glauben, sich stark machen. Wir müssen auch als Sozialisten zeigen, dass das unsere Idee war und unsere Initiative. Wir haben das aber jetzt einfach laufen lassen, und da ist mein großer Appell, ich war auch vor wenigen Wochen hier, und ich möchte, dass wir gemeinsam uns anstrengen, dass diese Mittelmeerpolitik Erfolg haben soll. Ich habe auch ein fehlendes Engagement, und jetzt wende ich mich direkt an Fadla Walalua, in dieser Frage. Die marokkanische Vertretung in Barcelona war sehr schwach, obwohl sie vom Ministerpräsidenten, Außenminister war. Es kam nichts Konkretes, es kam nichts Bewegendes dazu, was Marokko eigentlich machen will. Das steht im Widerspruch zu dem, was du vorhin eigentlich dargestellt hast, wie Marokko die Brücke eigentlich zwischen Europa und den arabischen Staaten bilden will. Auf jeden Fall mit dem Beitrag vom Ministerpräsidenten Filali sicher nicht. Es gibt dann auch im Zusammenhang mit der Mittelmeerkonferenz, und damit höre ich jetzt auch auf,
Ich kenne die Arbeit von Vater Laualalu, aber das ist jetzt nicht der Beitrag von Marokko zu dieser Frage. Das ist, darum geht es nicht. Eine Frage muss eigentlich allerdings geklärt werden, und wir müssen sie insbesondere unter Sozialisten ansprechen. Die politische Frage: Für mich ist die Mittelmeerkonferenz das Wichtigste an der Mittelmeerkonferenz ist Sicherheit und Stabilität im Mittelmeer. Und erst dann kommen Freihandel und all diese anderen Fragen. Und jetzt ist die Frage, an welcher Seite Marokko seine Anstrengungen zur Sicherheit und Stabilität machen will. Auf die USA-Seite oder auf die Europäische Union-Seite? Es muss nicht immer alternativ sein, aber mit der Mittelmeerkonferenz hat Marokko ein größeres politisches Interesse in Richtung USA gezeigt als Europäische Union. Danke. Merci, Monsieur Sakharov. Monsieur. Herr Vorsitzender, liebe Freunde, an dem Referat, das Sie, Herr Laualalu, gehalten haben, war für mich am interessantesten, was Sie gesagt haben über das Verhältnis der Linken in Europa, der Linken in Marokko und in den arabischen Ländern insgesamt. Die Konferenz von Barcelona hat ja in der abschließenden Erklärung auch gesagt, es soll jetzt ein intensiver politischer Dialog zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den Ländern an der südlichen Küste des Mittelmeers stattfinden. Ein politischer Dialog wird immer auch ein Dialog zwischen unterschiedlichen Parteien sein. Und deshalb finde ich diesen Hinweis, wie steht die Linke in diesem Raum zu der Vergangenheit und zu der Gegenwart, besonders wichtig. Ich glaube, die Europäische Linke muss zugeben, und vielen Dank, Herr Laualalu, die Europäische Linke war auch nach dem Kriege in vielerlei Hinsicht sehr, sehr inkonsequent. Die Entkolonialisierung Nordafrikas ist möglich geworden, nachdem de Gaulle die Sozialisten in Frankreich von der Regierung weggebracht hat. Das muss man wissen. Und ich glaube, das ist für mich in dieser Deutlichkeit vorher nicht klar gewesen, dass die Fragen, die in Marokko diskutiert werden, im Zusammenhang der Westsahara, aber auch im Zusammenhang der spanischen Enklaven, Probleme, die übrig geblieben sind vom Kolonialismus. Das ist mir hier deutlicher geworden, als wir das selbst in Europa diskutieren. Und ich glaube, wir sollten das festhalten und dafür dankbar sein, dass das geklärt wurde. Und ich glaube, generell sollten alle europäischen Linken zunächst einmal Verständnis haben, wenn sich Marokko weiter von den letzten Resten des Kolonialismus trennen will. Eine einzige Bemerkung zu Westsahara will ich nur deshalb auch machen. Ich glaube, die Europäische Linke könnte die Gründe, warum das Engagement für die Westsahara begonnen hat, teile ich. Da war viel linker Illusionismus und Engagement, ohne die Verhältnisse genau zu kennen. Nur ich bitte die marokkanischen Freunde um Verständnis. Das Problem ist nicht nur in den Vereinten Nationen, weil die Europäische Linke es dahin gebracht hat, sondern auch die afrikanischen Staaten. Und das Verhältnis der afrikanischen Staaten zu Marokko kann nicht vorrangig unter dem Gesichtspunkt des Kolonialismus erklärt werden. Und der Konflikt ist ja so weit gegangen, dass Marokko aus der Organisation der Afrikanischen Einheit zumindest zeitweise ausgetreten ist, wegen dieses Konflikts. Vielleicht darf ich eine ganz allgemeine Bemerkung machen, die in Marokko so nicht geteilt werden kann. Möglicherweise gibt es auf dieser Welt Konflikte, die sich manchmal über viele Jahrzehnte nicht lösen lassen. Um eine Parallele zu ziehen, das Verhältnis der Iren zu den Engländern in Nordirland
hat sich, obwohl es in Europa ist, obwohl kein Kolonialismus mehr da ist, auch über viele Jahrzehnte nicht lösen lassen. Aber darum ging es mir jetzt. Unsere Sicht lautet, die Europäische Linke sollte zurückhaltend sein in der Frage, sehen, das hat mit Kolonialismus zu tun aus der Vergangenheit und vielleicht höchstens die Bitte äußern der Diskussion, es wäre schön, wenn Marokko auch mit seinen afrikanischen Nachbarn in der Frage klarkäme und wir dann eine Lösung hätten, die es vor allem überflüssig macht, dass ein so großer Teil des marokkanischen Staatshaushalts für den Militäreinsatz in der Westsahara ausgegeben werden muss, denn ich glaube, wir sind uns einig, man könnte mit dem Geld Besseres machen. Das wäre der erste Punkt. Der zweite, ganz wichtige Punkt, politischer Dialog wird zu führen sein über die Frage, wie verstehen Menschen in arabischen Ländern, die zur Linken gehören, und Menschen in europäischen Ländern, die zur Linken gehören, die Menschenrechte, die Demokratie und den Pluralismus. Die Sozialisten, die Linke in Marokko, kann heute durchaus Teilen der europäischen Linken vorwerfen, den Charakter von linken Einheitsparteien auch in sozialistischen Ländern fehl eingeschätzt zu haben von 1989. Und ich glaube, die Rolle, die die USFP und andere linke Kräfte in Marokko gespielt haben, ist wesentlich positiver zu sehen, als das lange gesehen wurde. Die schrecklichen Fehler, die Linken zum Beispiel in Algerien gemacht haben, was ja heute dazu geführt hat, dass mit Algerien ein politischer Dialog wie dieser nicht möglich ist, weil es zu gefährlich ist, ihn in Algerien zu führen, der ist darauf zurückzuführen. Ich glaube, es ist Zeit und der Ort zu sagen, der Versuch in einer aus europäischer Sicht ungewöhnlichen Verfassung mit der starken Rolle eines Königs dennoch Pluralismus und Politik zu verwirklichen, ist viel, viel positiver zu beurteilen, als es lange gesehen worden, jetzt verglichen zum Beispiel mit Algerien. Ein wichtiger Punkt ist die Frage der Menschenrechte, die angesprochen wurde. Ich glaube, es lohnt sich für viele Europäer, nicht nur die Menschenrechtsdeklarationen der Vereinten Nationen oder des Europarats zu lesen, sondern zum Beispiel auch die Menschenrechtsdeklaration der Organisation Islamischer Staaten, die ja 1990 auch eine Menschenrechtsdeklaration aufgenommen haben. Der wichtigste Punkt scheint mir zu sein, ob wir die Menschenrechte ableiten aus der Aufklärung, die wir Europäer, oder aus dem Islam, dass niemand, der das eine oder andere nicht ganz so glaubt, wie sich andere das vorstellen, dafür ins Gefängnis kommt, dafür verfolgt wird, dafür große wirtschaftliche Nachteile aufnimmt. Ich glaube, wir könnten als Linke eins leisten, uns auf die politische Basis von Menschenrechtspolitik zu verständigen, die vor allem darin bestehen muss, dass niemand verfolgt, getötet, bestraft werden kann, nur weil er bei uns etwas anderes als die große Mehrheit denkt oder auch hier vielleicht in Auseinandersetzung mit dem Islam gerät. Vielleicht darf ich dann zuletzt einfach als Frage stellen, ob wir darin übereinstimmen, wofür uns die Grenze ist. Auch der Dialogmöglichkeit mit einem im Prinzip offenen islamischen Land wie Ägypten, wenn es dort Urteile gibt, dass jemand wegen seiner Schriften ausgewiesen wird, geschieden wird, wie ein Germanistikprofessor und ähnliche Fälle. Also das ist die große Frage, gibt es eine Übereinstimmung, dass jemand bestraft, ausgewiesen werden kann, wegen unterschiedlicher Auffassungen. Ich glaube, das ist eine wichtige Basis, um dann auch Differenzen und Unterschiede in der Menschenrechtspolitik zwischen Europäern und Menschen in islamischen Staaten offen diskutieren und auch aushalten zu können, woran es manchmal auch fehlt. Danke schön. Merci, Monsieur Teupel. Je crois que les interventions de Monsieur Tagliari ou Teupel ont bien fixé un petit peu le terme du débat, Barcelone et la question du Sahara. Avant de donner la question à M. Tahallah pour une réaction, il y a d'autres interventions. Monsieur Serbavi. Oui. Ensuite Khali, ensuite Aïcha. L'Arabi. Et Salita.
président, vous allez suivre qui vous Monsieur le Président, je voudrais, après avoir entendu les deux interventions fondamentales et les interventions des participants, je voudrais préciser trois points essentiels. Le premier, qu'est-ce que c'est que l'USFP dans le contexte actuel? Je complète un peu ce qu'a dit mon ami. J'ai oublié de vous dire, je m'appelle Fabi Mohamed, membre du bureau politique de l'USFP. Donc, premier point, qu'est-ce que c'est l'USFP? Qu'est-ce que c'est pour moi la gauche en 1995 à la fin du XXe siècle? C'est le premier point. Deuxième point, je voudrais donner quelques précisions sur le problème du Sahara, compléter un peu ce qu'a dit mon ami Salah. Et troisième point, je vais répondre au problème de la femme, de l'islam et de la femme, en tant que Marocain et en tant que membre du BSF. Ce sont les trois points sur lesquels je voudrais intervenir. Premièrement, tout le monde parle actuellement, et je le comprends, de la mondialisation. Qui dit mondialisation, ça veut dire unité de la politique mondiale, donc conquête, et ce de conquête des marchés mondiaux. Et quand on lit les rapports de la Banque mondiale tels qu'ils ont été présentés il y a quelques mois, par Sa Majesté, je constate qu'il n'est pas du tout question du marché marocain, de la situation du niveau de vie du peuple marocain. Nous demander à l'heure actuelle, et ça je m'adresse à la gauche européenne, nous demander à l'heure actuelle d'envisager les choses sur la base de la compétition entre un pays sous-développé comme le Maroc et les pays très développés pour la conquête des marchés extérieurs. Et ça veut dire nous demander, en fait, et à la lecture de la Banque mondiale, il s'est même dit, c'est nous demander en fait de baisser davantage notre pouvoir d'achat, nos salaires par exemple. Dans le rapport, il est dit, bon, le Maroc est actuellement difficilement compétitif par rapport aux pays d'Asie parce que les salaires sont plus élevés que dans certains pays d'Asie. Or, les salaires au Maroc, je vous donne simplement, le salaire minimum au Maroc, c'est moins de 1500 dirhams, c'est-à-dire moins de 900 francs français. Le salaire minimum en France, c'est 6 000 francs. 300 marques. En Allemagne, c'est 300 marques. En fait, la comparaison, c'est 6 ou 7 fois plus bas que le salaire minimum, le plus bas dans un pays comme. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande encore de serrer la ceinture. Bon, en somme, on nous demande d'être le Maroc à la deuxième vitesse pour prendre le rapport de la banque. Je comprends que la Banque mondiale cherche à ce que nous faisons tout, nous sacrifions tout pour conquérir des marchés extérieurs. Pourquoi? Parce que ce qui l'intéresse, et c'est normal, je la comprends, ce qui l'intéresse, c'est qu'on rembourse la dette. Et pour rembourser la dette, il faut qu'on vende à l'extérieur le maximum possible. Ça, c'est un point de vue légitime pour la Banque mondiale, mais ce n'est pas le point de vue de l'USFP. Cela, à mon sens, ce ne peut pas être le point de vue de la gauche dans les pays sous-développés, et de la gauche en général. Parce que être socialiste, c'est bien sûr, ça va être d'abord avec toi, c'est une bataille considérable pour la démocratie, mais c'est aussi une bataille pour élever le niveau de vie des masses populaires. Ça, c'est un point essentiel. Il y a les deux points sur lesquels nous nous distinguons. Et nous devons nous distinguer. Et c'est sur cette base-là que nous allons analyser et prendre les positions qu'il faut dans les problèmes actuels du Maroc. Ça, c'est le premier point. Donc, à mon sens, il ne faut pas que la médiatisation qu'il y a à l'heure actuelle, l'accent, c'est vrai, c'est normal, l'accent qui est mis sur le marché mondial, sur la mondialisation des marchés, nous entraîne à oublier que nous sommes socialistes. Et socialistes dans le sens de démocrates, dans le sens d'élever le niveau de vie de l'ensemble de la population. Pas simplement d'une extrême minorité de la population marocaine, pas plus de 5%. C'est pensé aussi 95% de la population marocaine. C'est ça pour nous être socialiste. Pour le Sahara, je me suis dit, on peut se poser la question suivante. L'Espagne, bataillée, pensée,
faire un État indépendant, une autonomie, d'abord une autonomie interne pour le Sahara occidental. C'était la thèse espagnole et la thèse qui défendait l'Espagne. Alors on se demande pourquoi il a changé d'avis. Pourquoi elle est venue discuter avec le Maroc, négocier avec le Maroc, la passation des pouvoirs dans le Sahara occidental. Bien, il faut le dire, c'est un peu le même processus qui s'est passé pour le Sahara central. La France avait voulu créer l'ORS, l'Organisation des régions économiques sahariennes, une sorte d'État indépendant, une sorte de région autonome et d'État indépendant. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé du pétrole. Mais les Algériens, le mouvement nationaliste, le mouvement national algérien, n'a pas accepté, il a continué la guerre jusqu'en 1962. C'était essentiellement, il y a eu déjà des négociations, si mes souvenirs sont exacts, sous cette base, indépendance de l'Algérie, bien avant 1962, pour l'Algérie, excepté le Sahara, mais les Algériens, donc, Ben Bella, enfin, le groupe des résistants algériens n'avait pas accepté cette thèse, ils ont bataillé, ils ont obtenu l'unité de l'Algérie, avec y compris le Sahara espagnol, le Sahara central. L'Espagne a renoncé à cela. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que depuis l'indépendance, le Maroc, il y avait un espoir de trouver du pétrole dans le Sahara à partir du drap. Et le Maroc avait passé des accords avec Mattei, avec les Italiens, pour la recherche du Sahara, du pétrole dans Tafaya. Or, je connais un peu la question, les structures pétrolières qui pouvaient être pétrolières prenaient naissance dans Tafaya et se prolongeaient essentiellement dans le Sahara occidental. Or, les recherches dans à Tafaya, dans le nord du Sahara occidental, ont été négatives. Et c'est pour ça que l'Espagne, qui avait déjà amené, attendant les résultats dans le Sahara occidental, qui attendait les résultats, pardon, dans Atefoya, dans le nord du Sahara occidental, quand elle a vu qui attendait ces résultats, qui a amené même des appareils de forage, etc. Attendez, elle attendait. Comme elle n'a pas eu de résultats à Atefoya, eh bien, elle a changé d'avis et elle est venue à la négociation pour le Sahara occidental, pour transférer les pouvoirs au Sahara occidental. Vous voyez par conséquent que l'histoire d'un peuple sahraoui ou d'une indépendance du Sahara occidental est tout à fait liée effectivement au pétrole. C'est le premier point que je voulais préciser, ce qu'il faut le connaître. Bon, nous sommes dans un processus de référendum. Nous, en tant que SFP, je peux vous le dire, nous n'avons pas accepté le référendum parce que nous pensions qu'il y a une portion du territoire national et qu'on ne peut pas accepter un référendum. Nous avons la direction, une partie de la direction a fait de la prison pour cela. Nous avons fait la prison, M. Wabid, M. Yazri et moi, à avoir été emprisonnés à Missou, au sud, mais ici. Bon, maintenant, les choses ont été bonnes, nous partons du processus, maintenant qui est engagé. Mais qu'est-ce qui fait obstacle actuellement au processus? Eh bien, il faut le dire, ce sont ceux qui ont créé cette histoire, ce sont le gouvernement algérien, parce qu'il y avait une grande visée du gouvernement algérien. Mais le problème du Sahara occidental se porte tout à fait différemment. Il y a un processus, nous le voulons, nous l'appuyons. Mais nous disons ce qu'il en est. C'est le deuxième point. Alors, je vais donner une réponse à madame, si vous voulez dire la femme. Et je suis d'accord avec vous. Les choses ne sont pas claires. Il faut les clarifier. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi elles ne sont pas claires? Et je crois, je peux vous le dire, je vais essayer de le démontrer en quelques phrases, que le rôle essentiel pour résoudre ce problème de la femme et de l'islam en général, la compréhension de l'islam, le rôle essentiel réside dans la gauche, dans les pays du tiers-monde, et essentiellement dans la gauche dans les pays du tiers-monde. C'est les partis de gauche qui, premièrement, doivent prendre les choses en main. Deuxièmement, doivent prendre, pas simplement en tant que parti, hommes, mais avec leurs femmes. Les femmes de gauche et les hommes de gauche dans les partis de gauche doivent prendre cela en main. Bon, non, c'est vrai. Voilà. Prenons, vous avez tout à l'heure cité, vous avez demandé qu'on vous cite un passage du Coran. J'en connais un, je vais vous citer. C'est le problème de la femme. On parle de la polygamie. Je le dis entre parenthèses, j'y vais très vite. On parle de la polygamie, c'est vrai qu'il y a un verset sur la polygamie.
qui dit ici, je vous le traduis. S'il s'agit d'orphelines, vous pouvez épouser une, deux, trois ou quatre. Mais pour moi, voilà comment je vois ça en tant qu'homme de gauche, en tant que musulman, profondément musulman, mais homme de gauche, je vois que ceci. Et il y a un autre verset infiniment. Moi, dans celui-là, il y a s'il s'agit d'orphelines. Il y a un verset général qui dit je vous ai créé en couple. Je vous ai créé en couple. Ça, c'est le principe. Et il y a l'exception. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, le Coran ou l'islam résout les problèmes, non pas d'un temps et d'une société, mais résout les problèmes, doit résoudre les problèmes de tous les temps et de toutes les sociétés. Alors, il se peut trouver un moment, c'était l'Arabie à l'époque, un moment où le nombre des femmes était infiniment plus important, qui étaient la plupart des orphelines, n'oubliez pas les gangs de l'époque, qui tuaient les jeunes, on était dédiés entre 20 et 30 ans, et il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes, et l'islam veut une moralité dans une société, veut que la société soit morale, soit saine, et à l'exception. Mais le principe fondamental dans le Coran, je vous ai créé en couple. Et pourquoi ne pas appuyer là-dessus? Expliquer sous cette base. Et je vous dis, seuls la gauche, les partis de gauche, peuvent prendre le courage et le faire cela. Pourquoi? Parce que quand je regarde qui parle, les islamistes, par exemple, que ce soit iranien ou égyptien ou algérien ou même marocain, ce sont toujours des gens que je respecte, des gens âgés, des gens barbus, des gens qui ont leur tête dans le passé, qui n'ont pas leur tête ni dans le présent, ni dans l'avenir. Eh bien, il ne faut pas, je les respecte. Je les respecte très profondément. Mais ce n'est pas leur affaire, c'est leur affaire personnelle. Qu'ils ne viennent pas m'interpréter que la société n'accepte pas que les jeunes, que les partis de gauche, n'acceptent pas que l'interprétation, l'explication vient du passé et uniquement d'une vue. Il faut partir du passé aussi. Il faut prendre en considération le passé et avoir la vue sur l'avenir. Ces gens-là n'ont leur vue que sur le passé. Donc, à nous, partis de gauche, à prendre notre courage, à dire, il ne faut pas avoir honte, parce qu'effectivement, les partis socialistes... Les partis socialistes ont pris, si vous voulez, ont été imprégnés par le socialisme, donc par le socialisme laïque, la notion laïque de la société, depuis bien sûr Marx ou avant Marx. Et on a comme un complexe d'infériorité de ne pas dire, on ne veut pas dire que nous sommes musulmans. Nous sommes musulmans et nous défendons l'islam. Mais nous défendons un islam du 21e siècle. Voilà ce que je voulais dire. Merci, M. Fabi. M. Bakhali, derrière. Bonjour, merci, c'est Ali. Bon, je voudrais intervenir juste un petit point. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Excusez-moi. M. Bakhali, économiste, Université de la Fès. Je voudrais intervenir seulement sur un petit point, à savoir qu'aujourd'hui, en tant que, disons, gens de gauche, qui essaient de se rénover, enfin, le mot peut-être peut dire beaucoup de choses, bien entendu, nous devons prendre acte d'une chose très importante, à mon sens, c'est que par le passé, il a manqué un cadre prospectif de ces relations entre l'Europe, le Maroc, le Maghreb, le monde arabe, et qu'on l'avait laissé un peu gérer par des relents du 19e siècle. Je vous le dis parce que personnellement, j'avais fait une première expérience en 72. J'avais entamé un travail de recherche universitaire sur la politique méditerranéenne de l'Europe. J'avais perdu 6 mois, dont 2 mois à la place Schuman à Bruxelles. Et je m'étais rendu compte à l'époque, après discussion avec beaucoup d'experts sur place, que c'était une supercherie. J'avais fermé le dossier et j'avais abandonné en 72. Il ne s'agit pas de refaire cela. Et personnellement, je m'inquiète pour l'avenir, effectivement, parce qu'effectivement, maintenant, il y a de très beaux discours. Il y a un cadre prospectif. Mais malgré tout, on sent chez la majorité, volontairement ou inconsciemment, bien que nous soyons face à l'Europe où il y a la France, pays des Lumières, l'Allemagne, pays des grands penseurs et grands philosophes, nous pensons qu'il y a une naïveté face à certains problèmes, comme la drogue, la sécurité, etc. Or, on ne voit jamais l'autre côté de la chose. Personnellement, je m'inquiète plutôt de la sécurité en Europe. Qu'est-ce qu'elle représente la sécurité pour nous? Cette mondialisation qui conduit à un nouveau schisme.
Ou à la limite, nous sommes que une espèce de frontière avancée contre un ennemi qu'on ne sait pas définir, virtuel. Deuxièmement, ce qui se passe par exemple comme détail, ce qui s'est passé avec l'histoire de la pêche, c'est une insécurité pour nos pêcheurs et pour nos eaux territoriales, parce qu'un problème de restructuration en Espagne, c'est nous qui devions en assumer les conséquences. Les problèmes d'absence de politique sociale sur certains pays qui créent maintenant, au niveau de l'Europe, un certain nombre de mouvements en profondeur, tel que ce qui se passe en France maintenant et qui risque de se passer dans l'avenir, met en cause un certain nombre de nos exportations. Donc la sécurité, elle est dans les deux sens. Et qui est la conséquence d'une politique libérale un petit peu sauvage de cette dernière. Excusez-moi. Qui est la conséquence d'une politique sauvage, libérale sauvage, depuis, maintenant une quinzaine d'années. Donc, en tant que gens de gauche, nous devons prendre acte de cela pour que ce cadre prospectif heureux puisse devenir, bien sûr, le cadre d'un travail sérieux et avec un effort à l'égard, je dis, de l'opinion publique. Parce que j'ai dit tout à l'heure, certains théoriciens disent que, par exemple, en Allemagne, pays des grands penseurs, l'opinion publique est très naïve politiquement. Donc il y a un travail que les gens de gauche doivent faire à l'égard de leur opinion et de certains politiciens qui n'épousent pas toujours les idées de la gauche, mais qui peuvent être, si vous voulez, adhérer à cette vision généreuse dans le sens équilibré. Je vous remercie. Merci. Derrière, s'il vous plaît, Madame Echavlarvi. Merci, Monsieur le Président. Parce que j'étais invitée à cette conférence, j'ai demandé en fait quels sont les thèmes qui vont être traités. On m'a donné un ensemble de thèmes. J'ai dit, où est la femme? Est-ce qu'on va parler un petit peu de la femme? On m'a dit non, c'est quelque chose qui est diffuse. On peut en discuter un petit peu au niveau de toutes les séances. Et d'autant plus, il y a un dîner-débat, on parlera d'islam et la femme certainement sera au centre de la discussion. Bon, j'estime que dans toutes ces rencontres, et puis dans les rencontres surtout bilatérales ou multilatérales, on discute surtout des grandes questions. Et les grandes questions sont des questions politiques, des questions économiques, d'où la femme est totalement absente. Pourquoi elle est absente? Bon, malgré qu'elle est au centre de ces problèmes-là, parce que d'une part, les hommes qui nous représentent dans ces discussions sont des fois très peu sensibles à la question de la femme, ou bien même s'ils sont sensibles, ils disent que ce n'est pas le centre, ce n'est pas d'un intérêt immédiat, ça viendra après. On réglera les problèmes politiques, les problèmes économiques et la femme viendra après. J'estime que vraiment il est temps de voir que la question de la femme fait partie intégrante de tous les problèmes. Quand on discute des problèmes bilatéraux entre par exemple l'Allemagne et le Maroc, quand on discute des questions économiques, j'estime que la femme devait être au centre. Est-ce qu'on n'a jamais discuté cette question, quelles sont les conséquences du programme d'ajustement structurel sur les femmes au Maroc? Comment ce programme-là a développé le chômage dans le rang des femmes, a développé aussi une certaine exode rurale, a eu un impact très négatif sur l'éducation des filles et notamment en milieu rural, a contribué également à la diminution du niveau de vie. Tout ça, on n'en discute pas, malgré que c'est 50% qui sont concernés par toute cette question. J'estime que dans ces débats-là, je crois qu'il faut faire intervenir les femmes. Bon, quand une femme est là, elle présente la question, mais quand elle n'y est pas, la question est totalement occultée. Alors, je pense que actuellement, et en tant que socialiste, en tant que parti de gauche, je crois que quand on discute de démocratie, de droits de l'homme et de développement, on ne peut pas parler de démocratie sans participation des femmes, ni de développement sans intégration des femmes, ni aussi de droits de l'homme sans le respect des droits des femmes. Donc, la question de la femme est restée souvent discutée au niveau de la société civile. C'est quand on se rencontre au niveau d'associations, au niveau de l'université, au niveau de certains départements d'études féministes qu'on discute ces femmes-là. Mais quand est-ce que cette question va être une question aussi prioritaire dans les domaines politiques et économiques? Et je crois que nous avons tous une lourde responsabilité. Parce que si on confronte la question de la femme ici au Maroc ou dans le monde arabe et à l'extérieur, nous avons des points communs, mais nous avons aussi des divergences. Et je crois qu'il ne faut pas avoir honte de discuter de notre situation et de voir les moyens les plus efficaces pour la dépasser. Je vous remercie. Merci, Aïcha. Voilà, salut à Mohamed. Je remercie ma consoeur allemande pour l'intérêt qu'elle porte à la question de la femme. Effectivement, je crois que
contrairement peut-être à ce que disait Serfabé, avec qui je partage beaucoup de points, ce n'est pas seulement une question de la gauche du tiers-monde, mais une question de la gauche internationale. Parce que toute pression qui peut se faire sur ce domaine-là ne peut que nous aider, comme dans le problème des droits de l'homme et le problème de l'état de droit. Donc j'interviens aussi pour dire à M. Serfabé qu'effectivement je suis une femme, disons, de sensibilité de gauche, parce que la gauche pour moi c'est une philosophie de justice et de droit, et de combat, et de lutte pour la dignité de l'homme et de la femme, mais en même temps, en tant que femme musulmane, pratiquante et profondément musulmane, et c'est là où je dis à mes amis allemands qu'il faudrait peut-être aussi faire preuve de cet esprit de tolérance et nous accepter avec cette dimension-là que nous sommes aussi musulmans, que nous sommes en pays d'islam, et que peut-être aussi que l'islam pour nous c'est aussi une forme de partage de morale au sens kantien du terme. Alors pour répondre à ma consoeur, dire comment résout-on ce problème, je crois qu'il faut partir d'un constat et d'un diagnostic qui est terrible, parce que quand vous allez dans certains centres qui viennent d'être ouverts, comme récemment à Casablanca, le centre de lutte contre les violences de la femme, effectivement, vous rendez compte qu'il y a un aspect moyenâgeux. La femme souffre terriblement dans ce pays, notamment dans ses rapports avec l'homme, notamment dans ses problèmes de vie privée, problèmes de mariage, problèmes de vie quotidienne, puis la femme est devenue chef de famille. Donc vous voyez là une souffrance quotidienne qui est vraiment, qui vous montre qu'on est loin d'une moyenne des pays européens. Il y a aussi le problème de l'analphabétisme, et ça c'est une véritable bombe à retardement dans le monde rural, parce qu'effectivement beaucoup de problèmes pourraient trouver la solution à partir de la lutte contre l'analphabétisme, et quand on sait qu'il y a plus de 70% de femmes qui sont analphabètes, et beaucoup plus pour les petites filles là, qui ne vont pas à l'école et tout, c'est aussi un drame, et un drame qui est terrible, et qui se répercutera aussi sur le développement futur du Maroc. Mais je crois que si vous voulez, le constat est difficile à faire. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi avoir une certaine part de prudence et de vigilance dans la question de ce problème, si vous voulez. Excusez-moi, oui. Il faudrait peut-être aussi une question de prudence et de vigilance dans la vision qu'on peut avoir de ce problème-là. Parce que moi, je prends toujours l'exemple de la Tunisie. Attention aux effets retour du pendule et aux effets retour du boomerang. Parce qu'en 70, la société tunisoise que je connaissais était particulièrement évoluée, particulièrement société policée, civile, enfin qui était ouverte sur l'Europe. Et puis avec, si vous voulez, Bourguiba a fait un travail faramineux, un travail formidable au niveau de la libération de la femme, mais il n'était peut-être pas très bien accepté. Il y a eu une résistance au niveau de la société tunisienne qui était aussi conservatrice. Et je crois que l'effet de boomerang, ça a été l'évolution de ce mouvement intégriste qui était là. Donc attention, je crois qu'il faut partir avec beaucoup de précautions, pas faire trop vite, mais faire bien. Mais effectivement, la libération de la femme est fondamentale pour le développement de ce pays. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on va conclure avec l'intervention de la réaction plutôt de Sardar Lalo sur les propos de M. Sakharov en particulier. Allez. Et ce de M. Grosin. Oui, Hassan Khattar, je suis chef d'entreprise et membre de l'SFP. Je voudrais simplement réagir très rapidement sur trois points. D'abord, ce dialogue qui s'établit entre les Marocains et les Allemands. Deuxièmement, concernant la dette, rapidement. Et troisièmement, concernant la compétitivité des entreprises marocaines. Concernant ce dialogue, je voudrais très rapidement paraphraser mon ami Abdelwahed Aghadi, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, concernant ce dialogue entre l'Europe, entre l'Occident et l'Orient, donc entre l'Europe par exemple et le Maroc. On a tendance à oublier, disons, les origines des systèmes politiques et économiques de l'Europe d'une part et du Maghreb d'autre part, qui sont les unes avec des origines judéo-chrétiennes, les autres d'origine arabo-musulmane. La civilisation ou les systèmes européens se considèrent comme universels et comme un modèle pour tout le monde, alors que les Arabes et les Maghrébins en particulier considèrent que leur système peut évoluer vers ces systèmes-là, mais ce ne sont pas des modèles absolument à copier. Il y a donc un dialogue et une compréhension mutuelle nécessaire. Deuxième point, concernant la dette, je crois qu'on réfléchit beaucoup chacun de son côté sur la lourdeur de cette dette concernant le Maroc et sur la demande, la possibilité de faire supprimer une partie de cette dette. Je crois qu'on se fait tous un peu des illusions là-dessus. Et les banques étant des banques, je ne pense pas qu'un jour ils vont admettre, et on a vu l'exemple de la longueur qui était nécessaire pour
supprimer une partie de la dette des pays les plus pauvres, je pense qu'on va se faire des illusions si on croit qu'un jour, on va le supprimer une partie de cette dette. Je pense que ce qu'on peut demander, par contre, c'est une créativité mutuelle, une créativité des Européens pour trouver des systèmes à mettre en place pour pallier et donner des moyens de rembourser cette dette avec des crédits moins chers et qui peuvent être mis en place de manière parallèle pour, d'une part, respecter le remboursement, mais avoir le moyen, avec des crédits donc plus économiques, pour faire face à ces remboursements. Le troisième point concernant la compétitivité des entreprises, effectivement, les entreprises marocaines se trouvent devant ces défis, et je ne vois pas personnellement comment elles vont arriver à faire face à cette ouverture du marché marocain aux produits européens et sur l'impossibilité d'avoir la compétitivité pour conquérir les marchés européens. Je crois que les seules solutions dans ce domaine-là, ça serait des investissements dans mutuels, des investissements européens vers le Maroc, des associations pour faire des affaires ensemble au Maroc et à l'étranger. Sinon, de toute façon, dans l'état actuel des choses, le gouvernement ne met pas de moyens à la disposition des entreprises, notamment concernant l'environnement économique, l'énergie, l'eau, etc. Et le gouvernement actuellement répond, nous n'avons pas assez d'impôts, de sources d'impôts, nous devons taxer ces choses-là et les entreprises vont débrouiller vos consommes. Voilà, merci. Merci, monsieur Rattac. Merci, monsieur le président. Je voudrais saluer ce débat qui a eu lieu aujourd'hui sur les droits de la femme, qui est de mon point de vue, de notre point de vue, est intimement lié aussi au débat sur les droits de l'homme en général. Et je voudrais dire à nos amis allemands que sur cette